qui proclamé. Donc nous-mêmes positionnons c'est concernant le magistrat et le d'Abrésil, en tant que président du réseau national des magistrats haïtiens, qui en charge de défendre les intérêts de tous les magistrats et de la magistrature en particulier, le noir prendre arrestation et magistrat d'Abrésil, nous, eh bien, t'es fait diligence pour nous rendre nous sous les lieux de l'arrestation. L'en arrivé, nous pas joindre ni et c'est dans enquête nous, on a joindre dans DCPJ. L'en arrivé, nous te communiquer avec nous, parler avec lui. C'est ainsi que lui dit nous effectivement vers les 3h du matin, eh bien, lui tendait blou dans l'espace de l'habité qui c'est notre appartement dans village et des cailles. Eh bien, c'est ainsi, et pendant l'an d'un cas là, selon Saldim, comme déclaration, et gain, ils ont lancé un grenade à lacrymogène dans la chambre. Et puis, ils ont fait des manœuvres pour laisser subsister. Et c'est après, eh bien, il y a des policiers du SGPN, eh bien, qui viennent prendre et puis qui sortent avec elle. Et leur paraître, ils ouais, et présence directeur général de la police là. Li ouais et monsieur et présence et monsieur Dimitri Erard, li ouais présence et commissaire gouvernement et un juge de paix ainsi que un greffier ad hoc par la suite par le bien un greffier professionnel et puis il dit nous aussi il subit des mauvais traitements par rapport et dans le cadre d'arrestation. Donc nous mêmes nous pas là pour nous toucher le fond de l'affaire, nous là pour nous dénoncer et bien le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation au regard de l'article 186 de la constitution qui fait de magistrat d'Abrésil eh bien ils ont autorité qui bénéficie privilège de juridiction puisque magistrat d'Abrésil il est passé par devant la haute cour de justice. Donc nous même c'est ça n'a défendre question du principe puisque nous n'avons état de droit, nous choisissons démocratie. Donc démocratie il dit c'est dictature de la loi, il dit c'est respect des principes et bien respect des règles de droit. Donc nous même c'est ça notre position, n'a défendre et bien principe, n'a défendre la loi. Donc pour les questions de fond nous pas rentrer là maintenant, il revient à l'autorité pour élucider ça à travers une enquête approfondie. Mais pour le moment n'a demandé libération magistrat puisque il a été arrêté en dehors et bien des normes, en dehors des règles de procédure. Voilà notre position au niveau du réseau national des magistrats haïtiens RINAMA. Et puis notre dialogue que nous avons gagné ensemble avec lui, est-ce qu'il confirme nous que ça a reproché là, il est vraiment exact comme quoi il a gagné le même discours pour installationner en tant que président? Est-ce que nous avons ça comme information? Bon, une question me déposer pour ça le faire, il dit que lui-même il va faire complot contre l'État. C'est sa déclaration. Moi-même, je rapporte ce qu'il dit. Donc, deuxième bagaille, il dit, ils ont pas pour lui. Seulement, ils reconnaissent, ils ont gagné deux, trois âmes qui attachées à service sécurité, que Mario André Sol, que Godson Aurelius, Tebali avec une responsable logistique PNH. Après ça, il dit que l'autre âme ne pas reconnaître. Et troisième bagaille, il dit, moi, je posé la question, il dit, que mes magistrats, si nous me citons comme probable monde qui est capable de venir président provisoire, c'est normal, moi, capable de commencer à réfléchir sur un embryon de discours. Ça c'est sa déclaration. Moi je rapporte ce qu'il dit. De toute façon, il y a une nouvelle qui t'a fait connaître que nous sommes supposés faire une conférence là. Ils ont fermé. Est-ce que nous sommes capables de confirmer une nouvelle pour nous? Oui, effectivement, les nouvelles là. Moi-même, je suis venu après. Moi, je suis le magistrat Morin de la NAMA, moi déjà le magistrat Matel de la PM qui était en sur place à l'intérieur et je dis que et responsable et dans l'école magistrature et dans CSPJ selon déclaration yo dit pour pas gain accès à local là pour faire conférence de presse là et du coup nous mêmes nous dit comme étant donné que le pouvoir judiciaire lit et bien est représenté par les cours et les tribunaux de la République. CSPJ c'est un organe d'administration. Donc c'est nous les magistrats qui représentons le pouvoir judiciaire. Donc et maintenant je dis à tout le monde, la constitution lui consacre l'indépendance des trois pouvoirs, qui c'est le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes comme représentants de notre pouvoir, eh bien, nous venons là pour nous capables d'attirer l'attention de tout le monde que le magistrat d'Abrésil il a été arrêté eh bien, en violation de l'article 186. De la constitution puisque lui bénéficie privilège de juridiction sans nous pas rentrer nous-mêmes dans le fond de l'affaire. C'est une bonne situation ça qui comporte nos côtés. Bon et là pour ça nous fait nous dénoncer et caractère arbitraire là puisque la loi pas appliquée. Maintenant après ça moi pensais qu'il y a l'autre initiative qu'a prend et pour capable et faciliter et bien magistrat lui sorti dans les liens de la détention. Nom c'est magistrat Edume Hickinson, président du réseau national des magistrats haïtiens, RINAMA. Merci beaucoup. Merci.
Ouest, nous-mêmes et comme et monde qui te rendent dans les heures qui suivent après l'arrestation. On va pas passer mon autre bord, non, parce que nous sommes au courant par rapport aux réseaux sociaux que magistrat Yvickel d'Abrisil qui fait objet de mon arrestation. Mais nous entrer aux amis. Nous te prenons la rue pour nous chercher qu'on est dans quel endroit qui est mettre. Et c'est ainsi que nous allons et joindre dans le DCPJ. Et nous demandons dire que le DCPJ a complété et fait nous communiquer avec lui. Nous avons mené le magistrat à nous. Et nous avons communiqué avec le magistrat, expliquer nous. Effectivement, et vers les 3 heures du matin, donc il dit subran, eh bien, on quantité de monde qui a coulé, qui débarque la caille. Et en dans la chambre de l'ITIA, ils voyaient une grenade lacrymogène. Donc ça a fait mettre accent sur lui. Donc on monde qui en dans chambre et puis vous voyez on grenade lacrymogène en dans chambre. Donc c'est une sorte de tentative d'assassinat. Donc il faut nous mettre accent sur ça. Et lié la vie sauve grâce à l'intelligence que il gagne et avec un bidon jus que lui expliquer nous qui était dans chambre non et il était passé dans visage lui, il était brûlé la donne qui permet qu'il était capable de résister face à assaut ça. Et en sortant, eh bien des policiers USGPN lui dit que il était maltraité selon déclaration et yo balcou selon déclaration et il dit aussi et cargaison zam que lui ouais présenté sur les réseaux sociaux, c'est pas zam lié et il dit nous que lui-même. Et pendant qu'il a traité le dossier Jean-Léopold Dominique, donc il était dans la nécessité pour lui gagner et bien, des armes qui attachées à la sécurité. C'est ainsi que le directeur Mario Andresol a mis 11 armes à disposition et Gotson Aurelius a mis 11 armes à disposition, plus et responsable et logistique et PNH a mis 11 armes et à disposition aussi. Donc nous demandons est-ce que il était signé pour ces verbales. Il dit nous que il était contraint pour signer pour ses balles et l'autre et Zamio, il te dit non, il va signer parce que il va reconnaître, il te signé pour ses balles seulement et bien Zam que légalement qui était attaché à et service de sécurité. Donc nous-mêmes n'a demandé pour et la communauté nationale et internationale tant des cris et trois associations et l'autre association magistrat qui va présent là pour cause de questions de sécurité. Nous-mêmes n'a demandé respect, n'a demandé respect principe. Nous avons demandé l'application de l'article 186 de la Constitution qui fait de magistrat d'Abrisil eh bien, un monde qui bénéficie privilège de juridiction. Nous-mêmes, nous connaissons que l'État est majestueux. Quel que soit le monde, eh bien, qui est capable de faire une situation pour la loi appliquée contre lui, eh bien, il n'a pas qu'à subir mauvais traitement. Il n'a pas qu'à subir des traitements inhumains et dégradants, soit pour une personnalité de Trump, magistrat d'Abrisil. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le fond de l'affaire. Nous ne pouvons pas toucher le fond, puisque les informations ne sont pas gagnées. Nous avons touché la forme. Arrestation, les bons gens pour le faire. La loi tracée qui gens pour arrêter au monde. La loi tracée qui gens pour arrêter un dignitaire de l'État. Donc, magistrat d'Abrisil, ils sont dignitaires de l'État. La loi dit, eh bien, il est passible par devant la haute cour de justice. Et si, monsieur, dame, autorité, pas obtempéré par rapport à disposition de l'article 186 de la Constitution, eh bien, nous pensons qu'il est grand temps pour que eh bien, nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui est capable de juger l'égalité à l'arrestation magistrat et d'Abrisil. Puisque c'est inacceptable, non état de droit, nous-mêmes, nous pour état de droit, nous faisons choix de démocratie. Démocratie dit c'est dictature de la loi, c'est respect des principes. Donc, non état de droit, chaque monde doit respecter les principes, chaque monde doit respecter sa loi dit. Et ça fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas dans le fond d'affaires, nous dans la forme, et bien, forme d'arrestation illégale et arbitraire, et bien, nous dénoncer et nous demander dans les prochaines secondes pour que l'autorité prenne disposition pour relâcher le magistrat d'Abrisil. Et si, par ailleurs, tu as quelconque barrière à reprocher, et bien, une enquête capable d'une éclaircie question. Mais la question de détention, magistrat de Brésil là nous dit l'arbitre illégal nous demande eh bien pour yo libérer magistrat et n'a profité dit et avec toute et la presse nous commençons à subir des menaces et nous-mêmes nous dit nous pas peur parce que n'a défendre la loi n'a défendre ça la loi dit sa texte de loi dit donc à autorité politique yo pour yo assurer protection et sécurité tout magistrat dans moment ça qui après la parole cap défendre état de droit cap défendre démocratie dans pays cap défendre l'indépendance de la justice puisque la constitution lui consacrer l'indépendance des trois pouvoirs exécutif judiciaire
et législatif. Donc nous-mêmes, nous représentons le pouvoir judiciaire là. Et nous avons tout dit ça. Donc CSPJ sont organes d'administration. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats, par les tribunaux et cours de la République. Donc c'est normal pour que je dise à nous camper d'un seul homme, d'une seule femme, et bien pour nous capables de défendre l'indépendance de la justice, l'autonomie de la justice. Et ça fait nous-mêmes nous défendre une question de principe sans nous pas rentrer dans la question du fond de l'affaire. Donc voilà en gros et bien position association magistrale. Et puis, je souligne pour nous avant que. Le procès. Faut-il laisser un téléphone, non? Monsieur, dame la presse, nous autres de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Association professionnelle des magistrats haïtiens, Réseau national des magistrats haïtiens, nous remercions de ce que nous répondons à l'invitation de différentes associations qui ont support et M. Komadio, qui ont support Mme Jujo, parce que pour des raisons, nous ne sommes pas là, mais toute la magistrature et toutes les associations, nous gagnons en unité, en solidarité entre nous à partir de Sacré-Cœur. Hier soir, très tard, moi-même personnellement, moi t'ai parlé avec magistrat Termesi, qui c'est lui-même directeur de l'école magistrature. Il a dit à 9h du matin, la pral joint avec l'administrateur là, de manière pour que nous capables de conférence là. Mais à 9h, l'aile parée nous, et l'un nous pas capable de joindre magistrat Termesi, nous t'ai dit, n'a pas été sous perron là, parce que le Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, c'est là que nous sommes. Et nous-mêmes, nous c'est le pouvoir judiciaire là, parce que c'est magistrat qui exerce le pouvoir judiciaire là. Et le CSPJ, c'est l'organe administratif du pouvoir judiciaire. Malheureusement, là nous levons, c'est pas faute, c'est agent de sécurité, c'est pas eux-mêmes. Mais ils n'ont pas recevoir l'ordre pour quitter nous entrer. Magistrat et Dumé viennent pour entrer, ils ont bloqué. Magistrat et Martel qui en dedans, ils ont dit magistrat Martel que n'est pas capable de sortir. Donc ça pile parler qui fait magistrat Martel, lui-même qui est en dedans, obligé de sortir. Nous pas bah, aucune explication sur ça parce que nous ne comprenons pas ça. Mais comme nous sommes et bah, nous rendez-vous, nous recevons nous devant barrière CSPJ. Maintenant, nous apprenons que et la Cour de cassation lui-même est assiégée par des hommes en uniforme et armés. C'est possible que ce soit des policiers nationaux. Mais côté n'a parlé à la, nous pas qu'à connaître si c'est des policiers nationaux, parce que les juges de la Cour de cassation. Ils n'ont pas accès dans la cour. Ils n'ont pas qu'à rentrer dans la cour. Et c'est un bagage gravissime que les juges dans la plus haute instance judiciaire dans le pays n'ont pas accès dans le bureau, n'ont pas accès dans la cour. Mais le véritable et but de conférence, là, c'était pour nous adresser nous-mêmes. Différentes associations de magistrats qui sont seules, nous voulons faire nous connaître que nous prenons des dispositions pour que le magistrat Ivikel d'Abrisil, qui lui-même enlevé, selon moi-même, président Anama, séquestré à la DCPJ pour libérer rapidement. Je vais passer rapidement la parole à magistrat et Martel, qui est président. Association professionnelle magistrat qui pral parler de comment ou était capable de posséder à arrestation un magistrat qui en exercice après ça magistrat
et Edumé lui-même l'a adressé nous sur d'autres questions. Merci.